Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce quatrième dimanche de carême, qui est presque le centre de notre carême. Et l'évangile qui nous est donné aujourd'hui, c'est l'évangile selon saint Jean, au chapitre 3, qui nous invite à porter notre regard sur Jésus, le Sauveur, et, et de façon assez claire et assez ferme. Et il me semble qu'il y a trois points qui nous sont donnés, qui explicitent cette invitation à porter notre regard sur Jésus. Le premier, je vous le cite au chapitre 3, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, le premier point qui nous est rappelé, c'est l'origine qui est le cœur du Père. Le cœur du Père nous aime. Tout ce qui se fait en Dieu est par amour. Et donc l'origine d'un Sauveur, à savoir son Fils Jésus, jaillit du cœur du Père. C'est toujours une origine qui jaillit du cœur du Père comme un amour qui se manifeste pour nous. Il me semble que c'est très important de replacer le salut dans cette perspective d'amour de Dieu pour nous. La deuxième perspective, c'est vraiment un coup de projecteur qui nous est donné sur son fils, sur Jésus. Dieu a envoyé son fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Vous voyez, c'est vraiment Jésus l'unique sauveur du monde, c'est-à-dire celui qui vient nous libérer, nous libérer de tout ce qui entrave notre cœur, c'est-à-dire nous libérer du mal, de nous libérer de tout ce qui nous éloigne du cœur de son Père, du cœur de Dieu, de l'amour qui jaillit du cœur de Dieu. Donc vous voyez, le deuxième point, c'est vraiment Jésus qui est l'unique, le sauveur du monde. Et le troisième point, me semble-t-il, qui nous est précisé, celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. En fait, ce qui nous est proposé, c'est de croire en Jésus. Vous voyez, ce qui nous revient à nous, parce que Dieu nous a voulu libre, c'est d'acquiescer, pas de croire avec notre intelligence, mais d'acquiescer avec notre cœur, avec tout ce que nous sommes. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, la foi en Jésus, unique sauveur du monde. C'est-à-dire non seulement le reconnaître comme le sauveur, mais acquiescer à cette personne de Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, tout est jailli du cœur du Père, centré sur Jésus, l'unique sauveur du monde, et ce qui nous revient à chacun et à chacune d'entre nous, c'est d'acquiescer à cette invitation d'être sauvé que nous adresse Jésus lui-même. Vous voyez, au cœur de ce carême, et ça nous est rappelé dans la toute fin de l'évangile, Jésus apparaît vraiment comme la lumière, le Fils c'est la lumière du monde, la lumière qui vient... Éclairer notre monde, éclairer notre cœur, éclairer notre vie. Alors, vous voyez, au cœur de ce carême, il me semble que c'est important de réajuster notre regard sur Jésus, de l'accueillir pleinement, de le reconnaître comme l'unique sauveur du monde pour notre plus grande joie. Bon dimanche.